content de te revoir, petit. Bon alors, t'es prêt? Je pense que Rome devrait bientôt arriver. Ok. Je suis prêt. Oh bah c'est pas trop tôt. Oh, y a un truc qui a changé. T'as fait quelque chose à tes cheveux. C'est bon d'être de retour. Je savais pas que t'étais parti. Qu'est-ce que je te sers? Tequila old fashion. Ajoute-y de la bière et une pincée de piment. Le cocktail de Silver End. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas commandé. Le menu. Des infos. Cassius Ryder. Il est toujours en vie. Le tatoueur? Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Mais tu peux toujours aller vérifier par toi-même. Il bosse à Watson sur Pershing. Alors ce sera quoi pour vous? Le bouc ou l'autre? L'autre là. Je sens qu'il va l'adorer. J'en doute pas. Jeremiah Grayson. Il paraît qu'il bosse pour Smasher. Mais si on vous demande, je vous ai rien dit. Hey, vous êtes qui déjà? Ouais, on peut dire qu'on avait un truc en commun. Ruby Collins. Et s'est mise avec Grayson après que je me la sois tapée. Je te dirai ce que j'ai entendu sur toi. Tu me montreras si c'est vrai. J'ai juste un petit truc à régler avant. Hé, toi! Enlève tes sales pattes de Ruby. Elle ira nulle part avec toi. Elle est de service, c'est clair? Putain, ce que ça m'a manqué. Bon, je t'attends dehors. C'est moi que t'attendais? Allez, viens, on va chez moi. Thank you.
mais on va faire un détour. Elles te vont bien? T'as du feu? Comme ça tous les matins. On peut parler d'autre chose, s'il te plaît. Bien sûr. La première fois que t'es venu, j'ai bien senti que t'avais quelque chose de familier. Blabla, Johnny t'a tout raconté. Est-ce qu'on a... Tu sais... Non. Ce con était trop bourré. Il m'a appelé tôt ce matin. J'ai cru que c'était toi, bien sûr. Alors je me suis dit, il est sympa ce petit, mais complètement starbé. Et t'as voulu voir de tes propres yeux, hein? La curiosité morbide? Et j'ai trouvé Johnny Silverhand. Smasher. Il t'a parlé de lui? Oui. Je savais pas qu'il était revenu à Night City. Johnny a trouvé un moyen de l'atteindre. Attends. Grayson? Jeremiah Grayson. Il bosse pour Smasher. Johnny a su ça par une stripteaseuse. Me demande pas comment. Et Bouniqué. C'est tout ce qu'on a. Mais je vais voir ce que je peux faire. On va la voir, ce sale fils de pute. Je peux faire quelque chose? Dans ton état? Tu rigoles? T'es quasiment HS. Je t'appelle quand j'apprends un truc. Ok. J'arrive pas à croire que cet enfoiré soit quelque part dans ta tête. Moi, tu devais seulement parler à Rogue. Mais je lui ai parlé. Et à la stripteaseuse, la baston à l'impassé, le tatouage. C'était nécessaire. Il me fallait quelque chose de concret pour Rogue. Et Bouniqué, une piste sur Grayson, qui est peut-être une piste sur Smasher? La piste d'une piste. C'est concret, ça? Assez pour Rogue, ouais. Arrête de chouiner. Fous dans le camp. C'est quoi cet endroit? Un endroit où tu peux dégueuler tes boyaux sur la moquette, sans problème. Oh, ça va, fais pas ta fine gueule. Hé, j'ai élucidé le mystère Ebonique. J'ai fait le tour de mes contacts. Un de mes vieux tchou m'a tilté sur le nom de Grayson. Il a fait des recherches. Recherches qui l'ont mené vers une section des quais en territoire Maelstrom. Alors t'as trouvé Grayson? Il peut vraiment nous mener à Smasher? Viens me voir à l'Afterlife. On en discutera. Ok.
C'est ça. V, Crispin Wayland, il est venu nous aider. Salut, V. Pareil que tu cherches Smasher. T'es prêt? On parlera en chemin. Comment Wayland t'a aidé, au juste? Il s'est assuré que Grayson serait chez lui quand on débarquerait. Donc on sait où chercher. J'ai un petit quelque chose pour toi. Ah, vas-y, essaye-la. C'est la veste de Johnny? Une copie, faite sur mesure. La vraie est probablement tombée en poussière il y a des années. Merci. Allez, monte. Voilà, tu ressembles enfin à quelque chose. Il t'a parlé de moi, Johnny? Je sais que vous jacassez comme deux vieilles. Johnny parle de lui la plupart du temps. Tu m'étonnes. T'es sûre que t'es partante? Quoi? Tu vas pas te dégonfler? Non, c'est juste que... Je veux pas que Johnny te force la main. Adam Smasher, c'est son obsession. Pas la tienne. Tu crois ça? J'essaie juste de la jouer réglo. C'est bizarre que t'aies pas croisé le chemin de Smasher plus tôt. Son nom a été évoqué de temps en temps. Ah mais... T'as jamais essayé de le retrouver? Écoute, V. Le retour de Johnny, ça chamboule les choses, ok? Ouais, je sais. J'ai remarqué, je t'assure. Bon, on finira plus tard, on dirait. Ok, on peut pas aller plus loin. Si on a de la chance, on va se faire Grayson et Smasher en même temps. Il devrait plus être très loin, cet enculé. Alors c'est quoi le plan? Wayland a vu Grayson sur les quais. Il était avec quelqu'un. Smasher. J'espère. Faut d'abord atteindre le terminal de données du Maelstrom. Il devrait contenir des infos sur Smasher. Et il se trouve là-bas dans l'entrepôt principal. Ok, allons-y. Il y a trop de rats pour l'instant. Vaut mieux attendre qu'il fasse un peu plus sombre. Peut-être que Smasher ou Grayson vont se pointer. Peut-être, mais compte pas trop dessus. Il voudrait pas risquer d'être vu ici en plein jour. Ok, il fait suffisamment sombre. L'ouvrir. Ok. Fais bien gaffe. Tu les vois tous? Faut atteindre le terminal de données, en silence.
Ok, on y est. Scanne-le. Vois s'il y a des infos utiles. Je surveille la porte. Non, elle sait exactement où le trouver. Elle fait traîner. Je te l'avais dit. Elle a encore la trouille de cet enculé. Apparemment, il se planque sur le bateau. Ok, voyons voir ce qu'on va dénicher. Le voilà, le fameux Ebonique. Il a pas l'air en grande forme. Et c'est encore pire à l'intérieur. On se bouge. Pourquoi tu t'es embarqué là-dedans? J'ai un compte à régler. Tu veux venger Johnny? Ça aussi. On va voir s'ils ont quelque chose. Ah, t'as entendu ça? Ouais, personne. Non, pas ça. Ce bâtard me tire dessus avec mon propre flingue. Malorian, 3516. Il a un son unique, je le reconnaîtrai entre mille. Vous ressortirez pas vivant! Tu veux jouer? D'accord, on va jouer! Chope le flingue. C'est pas à toi, ça. Je crois pas. Grayson. Alors, Rogue, on joue plus dans la même équipe, c'est ça? Je peux pas dire que ça me surprend. Après tout, c'est ta spécialité de poignarder tes alliés dans le dos. Il est où, Smasher? Je commencerais à parler si j'étais toi. Ta blessure, on dirait un dégueulis de pizza. Et je vois personne dans le coin qui puisse t'aider. Mais je veux bien vider mon sac. Tu t'es jamais demandé comment Rogue avait survécu après l'attaque de la tour? Pourquoi personne avait cherché à la retrouver? Contrairement à tous ces petits merdeux de l'Atlantis. Moi, je me demande. Je me demande vraiment ce qu'elle a dû faire pour se mettre aussi bien. Combien de queues elle a dû sucer et à qui elle a dû vendre son âme pour... Il est où, Smasher? Avec les Arasaka. Mais je crois que tu le sais déjà. Et il doit revenir quand? Jamais. Ce bon vieil Adam vient de décrocher le poste de chef de la sécurité. Il remettra jamais les pieds dans ce trou à rats. Je suis juste resté pour régler ses dernières affaires. Merde! Tu l'as dit, vous pourrez jamais taper aussi haut. Smasher est hors de votre portée. Mais vous en faites pas. Lui, il vous trouvera. Il aime bien résoudre ce genre de choses en personne. Tu vas nous conduire à Smasher, fils de pute. Même si je voulais, il me fait pas assez confiance pour ça. Oh, et qu'est-ce que vous lui voulez au fait à Smasher? Rien. C'est Silverhand qui m'intéresse. Et ce qui lui est arrivé? Je dis Silverhand? Quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Smasher t'a dit ce qu'il avait fait du corps de Silverhand? Oh, alors t'es un fan. Tu comptes aller le déterrer? Ou alors ça te suffira d'entendre qu'il est mort dans sa chiasse? Les neurones cramés par le tueur d'âme. Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Les Badlands. Près des gisements de pétrole. Bon. C'est là qu'il est enterré. Prends la 101 vers le nord et direction la décharge. Si tu creuses assez... Tu trouveras peut-être un bras en argent. J'en ai assez entendu. Achève-le. Allez, faut en finir. J'ai envie de gerber rien qu'à le regarder. Non, 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 attends. J'ai autre chose. Sylvain, t'es fan? C'est ça? J'ai un truc qui pourrait t'intéresser. Je veux rien qui vienne de toi. Bien. Un résidu de capote en moins. Foutons le camp. Ça a servi à rien.
On n'a toujours aucune piste et on n'est pas plus avancé. Putain, V, dis-lui. Johnny dit que tu finiras par la voir. Ah ouais? Eh ben dis-lui. Putain, je peux même pas avoir une conversation normale avec lui. Smasher. Putain, tu comprends pas? Ça a rien à voir avec Smasher. Il est que la partie visible de l'iceberg. Même si on arrive à la voir, qu'est-ce que ça va changer? À plus tard, V. Laisse-la tranquille, V. Elle va se ressaisir. Mais dans ces moments-là, elle préfère être seule. Ok. Je comprends. Allons voir ces gisements de pétrole. Je veux voir à quoi ça ressemble là-bas. Qu'il se soit cassé le cul à l'amener jusqu'ici. C'est toujours mieux que la décharge où j'ai atterri. Alors voilà, c'est tout. Il y a que dalle ici. Tu voulais quoi? Une pierre tombale? Un drapeau? Des fleurs? Non, je sais pas. Une trace. Quelque chose. N'importe quoi. Je dois pouvoir arranger ça. C'est mieux, là? Un peu, ouais. Mais si c'était ma vraie tombe, qu'est-ce que t'écrirais? C.J. Johnny Silverhand. L'homme qui m'a sauvé la vie. V, t'imagines même pas à quel point je voudrais que ce soit vrai. Écoute, je me rends compte que j'ai merdé sur pas mal de trucs. J'ai trahi ou manipulé chaque personne qui m'a fait confiance. Comme le sale connard aveugle et égoïste que j'étais. Mais j'ai réussi une chose. Jusque-là. Ne pas foutre en l'air ce qu'on a, tous les deux. La route a été longue, mais on s'en est sorti. La plupart des gens que je croyais être mes amis pouvaient même pas supporter d'être dans la même pièce que moi. Toi, t'es carrément plus proche de moi. Je suis sur ton dos 24-24. Et pourtant, t'as pas l'air de me détester tant que ça. Dommage qu'on se soit pas parlé comme ça plus tôt. Ça aurait simplifié les choses. Ah, on n'a jamais trouvé le bon moment. Tu te souviens quand tu t'es réveillé chez Victor sans savoir que j'étais là? J'ai des alus, j'ai peur. Et tes pleurnicheries chez Misty, comme quoi tu voulais pas mourir. Moi, je me souviens de tes jérémiades en pleine nuit pour avoir une clope, et de tes crises parce que tu pouvais pas me buter. J'aurais jamais cru qu'on tiendrait si longtemps. Quand tu dis que t'as laissé tomber tes amis, tu veux dire Rogue? Rogue, Alt, Kerry, Santiago. Mais il est pas trop tard. Au moins avec Rogue. C'est pas comme si rien n'avait changé en 50 ans. Je peux pas m'incruster comme ça dans sa vie. En même temps, c'est déjà fait. Ouais, pas faux. Tu sais, je lui avais promis de l'emmener au ciné il y a très très longtemps. Bonne idée. Appelle-la pour moi. Demande-lui si elle est libre un soir. Par contre, il faudrait encore me passer les commandes. Ouais. Je vais l'appeler. Oh, super. Allez, viens, on se casse. Y a rien à voir ici, en fin de compte. Ça valait quand même le coup de venir. Absolument. Merci, V. Et tu sais, je suis content d'avoir atterri dans ta tête, plutôt que dans une autre. Hé ? Johnny voudrait t'inviter à sortir. Qu'est-ce que t'en dis ?
C'est Johnny qui demande, ou c'est toi? Johnny? T'as bien dit que t'avais aucun mal à nous différencier, non? Ok. Et où est-ce qu'on irait? Où tu voudrais aller? Au Silver Pixel Cloud, à Northopo. Ok. Je passerai te prendre à l'Afterlife. Tu vas servir là-bas pour une... C'est un compliment. T'as l'air... différente. Et c'est encore. La troisième fois, ce sera peut-être la bonne. Salut Rogue, t'es prête? Encore toi? On y va? Il est où, Johnny? Il a pas pu se libérer, finalement? Il nous rejoindra plus tard. Je vois que tu le mènes à la baguette. T'es malin pour ton âge. En route. Le Silver Pixel Cloud, c'est l'endroit que tu préfères? À une époque, j'y suis pas allé depuis des lustres. Les drive-ins sont passés de mode il y a un siècle. Mais le Silver Pixel tient toujours le coup. Ça a l'air premium, ce point, Ranka. Je trouve aussi. C'est pour ça que j'avais suggéré à Johnny de m'y emmener, il y a un million d'années. Donc, c'était pas son idée? Bien sûr que non. Pour lui, une soirée romantique, ça consistait à faire exploser le QG d'Arasaka. Bon, allez, V. Dis-moi ce qui se passe vraiment. Comment ça? Johnny fait jamais rien sans avoir une idée derrière la tête. Alors, c'est quoi, cette fois? Johnny a changé. Il veut vraiment passer du temps avec toi. Aucune embrouille, aucune arrière-pensée. Ouais. Rogue? Je dois juste me faire aller. Un Johnny Silverhand, désintéressé. T'as une bonne influence sur lui, apparemment. On y est. Putain. Non mais j'y crois pas. Ça fait vraiment des années. En fin de compte, il a fini par fermer lui aussi. V, trouve un moyen d'entrer. C'est pas ça qui va nous arrêter. On t'a invité à sortir, merde. Très bien. Fais ce que tu veux. Je te regarde. Ok. Ça doit être le mot de passe. Eh ben, on va vraiment au ciné, alors. Wam bam shalala. Ok, on peut y aller. Bien joué. Essaie de lancer le projecteur. Je vais nous choisir des sièges. Ça roule. Bon, va voir un peu le projecteur. L'entrée est par ici. Ok, apparemment j'ai trouvé le projecteur. Est-ce que par hasard tu sais comment ça marche, ce truc? On va bien voir. Regarde ça. Dernière diffusion, Bushido X. Parfait. Ça m'a l'air d'un bon gros nanar. V, on est dans un drive-in. On s'en bat les couilles du film. On veut juste un fond sonore, un peu de sang, des nichons, des tripes, ce genre de truc, quoi. Alors Bushido est le film parfait. Bon, V, tu peux y aller. Je m'occupe du reste. Amusez-vous bien, les jeunes. Je vous ai pris la meilleure place. Monte. Imaginez comme ça, ce regard. J'ai toujours su qu'il fallait que les choses changent pour qu'on puisse aller voir un film, tous les deux. J'aurais jamais cru qu'elles changeraient à ce point-là. Faisons comme si on était en 2015, ok? On vient de se rencontrer, et je me doute pas que t'es un putain de salaud.
J'aime bien la Rome de 2077. C'est une version bien inférieure. Ok, alors on est en 2015. Si tu pouvais tout recommencer, tu voudrais changer quelque chose? Je ferais tout mon possible pour pas te perdre. Tenons, j'ai... Mais... qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que... j'ai eu le temps de réfléchir pendant ton absence. De douter si... J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Jenny, il y a des tas de choses que je te cache. Et tout ce qu'on a, c'est cette soirée. C'est plus que tout ce que j'aurais pu espérer. Rogue, je suis en sursis, et dans un corps qui m'appartient pas. Mais je suis là. Jenny, je peux pas. C'est pas juste. Tu veux dire pas juste pour V? Non, pour toi. J'ai essayé de faire comme si rien n'avait changé. Comme si j'étais encore la Rogue que t'as connue. J'ai même réussi à m'en convaincre pendant un moment. Je vais rentrer toute seule. Rogue! Merde! Rogue est parti. Ouais. Ça s'est pas super bien passé, alors. Non. C'était censé être une soirée sympa au drive-in. Et maintenant, elle est en colère, et elle veut pas me dire pourquoi. T'as des idées? Des soupçons? Tu te souviens de Grayson? Comme il lui a parlé? C'était bizarre. Je dirais pas que c'était bizarre. Je pense qu'il jouait avec elle. Ça a peut-être un lien. Faut que j'y réfléchisse. Pour l'instant, emmène-moi à Northoak. C'est censé t'aider à comprendre Rogue? Non, Kerry. Je t'expliquerai une fois sur place. Ce film, c'était juste une grosse daube. Ça devrait marcher. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, au juste? Apparemment, Kerry s'est payé un joli petit manoir, ici. Il s'est bien démerdé. Où est-ce que t'as entendu parler de Kerry? Un peu partout en ville. Les infos doc racontent un tas de conneries sur lui. Oh, mais c'est vrai, t'étais pas là. Ta fameuse petite virée. Tu vas aller le voir, du coup? Ouais. Autant faire ça, maintenant. Alors quoi? Je me pointe chez Kerry et je me balade en critiquant ses rideaux, c'est ça? Tu sais ce qu'ils écrivent sur lui? Qu'il est dépressif et qu'il a fait une tentative de suicide. Quoi? T'as vraiment peur qu'il essaie de se tuer? Qui sait?
Dans tous les cas, je pourrais lui donner des conseils. Tu veux dire que tu comptes y aller en personne? Tu veux que je te file les rênes? Ouais. J'ai été sage la dernière fois, non? Oh, ça va, j'ai bien droit à une autre permission pour bonne conduite. Ok. Mais je veux que tu me dises ce que tu comptes faire. Rien de stupide, promis. Je veux juste voir comment il va. Comment tu vas lui dire que c'est toi? Si ça se trouve, il a des problèmes vraiment sérieux. C'est peut-être pas le moment de lui retourner le cerveau. V, Kerr a toujours eu un tas de problèmes. C'est bien pour ça que malgré tout, on s'entendait bien. T'en fais pas. Je vais y aller à l'instinct, avec tact. Mais d'abord, il faut qu'on rentre dans cette baraque. Ça marche. Dis-moi quand tu veux prendre le contrôle. Résidence de Kerry Urodine. Veuillez patienter pendant que je me connecte. Ouais. Tu devineras jamais qui c'est. Je vous entends pas. Et si on repassait plus tard, non? Non, arrête. On a déjà du bol qu'il soit chez lui. Cher au moins. Un degré de mauvais goût pareil, ah, il faut le justifier. Il est sous la douche, apparemment. Et tout seul aussi. Une chance, hein, crois-moi. Allez, laisse-moi faire, je vais le faire sortir de son trou. Prends un des cachets magiques de Misty. Allez. Ok. Ah, oh, c'est vachement mieux, là. Bon, voyons lesquels sont là pour faire joli et lesquels sont jouables. Continue à jouer. Très bien. Johnny. Kerry? Non. Non. Non, c'est une putain de blague. Attends. Qu'est-ce que Silver End m'a dit avant de mourir? Je t'ai dit de quitter Samouraï et de suivre ton propre chemin. Et on dirait que j'avais raison. Comme d'hab. Putain, Johnny Silverhand. Merde. Mais comment c'est possible? Surprise. Putain d'enfoiré! Ok, tu m'attendais pas. Je comprends. Au contraire. Ça faisait 50 ans que mon poing attendait ta gueule. T'as changé, dis donc. Tu testes un nouveau look pour rester dans le coup. Ouais, si on veut. Et toi, alors? Merde. Johnny. Oh, j'ai besoin d'un verre. Ok. Allez. Explique-moi. Pourquoi tu ressembles à un petit kleptopunk de l'Afterlife? C'est V. Il te plairait. Putain, Johnny. Ça explique que dalle, ça.
Jolie baraque. Et t'as encore rien vu. J'ai emménagé après la sortie du 4e album. Il s'est bien vendu, apparemment. Hé, je t'emmerde, Johnny. Tu vas pas commencer. T'as signé chez qui? Ben, chez Arasaka, évidemment. Le matin, j'enregistre dans leur studio, et le soir, on se fait une petite bouffe entre voisins avec Yori. Ouais. Bon, sérieux, t'as signé chez qui? MSM Records. Un autre pilier de la société. Allez, assieds-toi. Et dis-moi où t'étais pendant tout ce temps. Je te préviens, c'est une longue histoire. J'espère qu'elle a été bien tragique. Et surtout bien triste, pendant toutes ces putains d'années. Parce que si tu me dis que t'as passé tout ce temps sur la route avec les nomades, les cheveux dans le vent, ou que tu te les coulais douces en orbite, tout ça pour réapparaître et venir chier sur mes choix de vie. Alors là, je vais péter un plomb. Écoute, et juge par toi-même. Oh, oh putain, tu te rappelles? C'est la seule fois où Henry s'est pointé sobre et clean. Ouais, et il a joué comme un pied. Au moins, Denis était contente. T'es resté en contact avec les autres? Seulement avec Nance. Elle s'appelle Bess Isis maintenant. Elle bosse pour N54 News. Je pourrais essayer de mettre la main sur Denis et Henry, si tu veux. On pourrait peut-être se voir, jouer ensemble, ou je sais pas. Quoi, tu veux reformer Samouraï? Je sais pas, peut-être pour un concert. Genre, dans un tripot où personne ne reconnaîtra. Je veux dire, c'est que j'ai une réputation à maintenir. D'accord, c'est parti. Ah, excellent! Bon, je t'envoie le numéro de Nancy dans une seconde. Je vais traquer Henry et Denis. Si je suis pas là, vois ça avec V. Ok, ça se passe bien entre vous? Pas trop en ce moment. Mais on n'a pas vraiment le choix. Et comment je fais? Johnny, ça va? Non. Alors, tu dois être V. Johnny m'a dit qu'un truc dans le genre risquait d'arriver. Ça va aller. C'est de la désapprobation que je sens. Bouge pas. Reste un peu posé. Repose-toi. Ça va aller, t'inquiète pas. C'est quoi cette histoire de concert? Oh, t'as entendu? Ouais, vu que l'effet des cachets se dissipe. Alors? Tu veux voir Samouraï en live? Ce sera sûrement la dernière occasion. Ok. J'appelle Nancy. Ouais, super, ça c'est bien. Nancy? Bess? Bess Isis? Non, c'est son assistant sous-payé et maltraité. Steven, N54 News. Comment puis-je vous aider? Je veux parler à Bess. Ah, elle n'est pas là. J'appelle de la résidence de Kerry Urodine. Ah, cool. Mais Bess n'est toujours pas là. Elle était censée être de retour il y a 2 jours. Elle est allée au Totentanz pour filmer un truc, un reportage sur le Maelstrom. Rappelez la semaine prochaine, ou regardez les infos. S'il lui arrive quelque chose, je serai le premier à couvrir l'événement. J'ai un mauvais pressentiment, V. Je pense qu'on devrait aller au Totentanz. Merde, je crois que je commence à comprendre. Aucun journaliste s'attaquerait au Totentanz. À part Nancy. Allez, V. Monte. J'aime bien ton style. C'est minimaliste. J'avais le même genre de chrome avant. Allez, on avance. Tu vas au total... Tu y vas aussi? Oh, c'est cool.
Troisième étage. Appuie sur le bouton, je sens plus mes doigts. Un plus. Vas-y, tu vas te fondre dans le décor. Il y a toujours moyen de s'habituer à quelqu'un. Putain, j'y crois pas. Tu te souviens de cette vidéo, Paul Foot? C'est le Joe qui a buté Royce. Non, attends. Il serait pas assez con pour se pointer ici. C'est toi que... Ouais? Pourquoi? Les gens ont pleuré sa mort ou quoi? Vise un peu. Un nouveau trophée de chasse. Tire-toi. Tout de suite. C'est le fils de pute d'Olfo. Je suis pas aveugle. Qu'est-ce que tu veux? Bess Isis, ça te dit quelque chose? On bossait ensemble? Non, je veux juste lui parler. Pareil qu'elle est là. Lui parler, c'est ça. Suis-moi. C'est trop facile. Tu t'inquiéteras plus tard, on doit trouver Nancy. Je devrais te remercier. Pourquoi? Pour avoir dégagé Royce, il était temps. Je dois avouer que ça m'a bien arrangé aussi. Pas de problème, ça m'a fait plaisir. Réussi à appeler à l'aide. C'est Nancy. Ils l'ont tabassé. Hein? J'ai appelé personne. Je le connais même pas. Mais nous si. Et il est pas question qu'ils nous refassent le même coup. Ça va. Tu vas prendre. D'ici. Alors, t'es qui? V. C'est Kerry Urodan qui m'envoie. Kerry? Merde, je piche pas. Je piche que dalle. T'as dû passer trop de temps là-dedans avec Patty, la parano. C'est à propos de Samouraï. Je t'expliquerai, ok? D'accord. Tirons-nous. Suis-moi, je sais comment sortir. L'ascenseur, là-bas, allons-y. Est-ce que ça va? J'ai connu mieux. Cette pommarde était persuadée que j'étais une espionne. Allez, viens! Merde, j'espère que la voiture est toujours là où je l'ai garée. Qu'est-ce que t'es vraiment venu faire ici? Je voulais faire un reportage sur la musique du Totten Tens. Pas étonnant que Patricia ait pas cru à ton histoire. Mon frère! Ça pourrait être pire. Là, ça te fait un souvenir. Tu parles d'un souvenir? Je vais direct à la salle de montage. Si tu veux qu'on parle, va falloir venir avec moi. J'espère qu'on va arriver en un seul morceau dans cette poubelle.
Alors, il veut quoi au juste, Kerry? Il veut reformer Samurai. Juste pour un concert, une soirée. Samurai n'existe pas sans Silver End. Je vais remplacer Johnny. Toi? Disons juste que Silver End était plus un visionnaire qu'un Zikos. Je vais gérer, t'inquiète. Eh ben, si t'as réussi à convaincre Kerry, mais qu'est-ce que j'y gagne? Je crois que je viens de te sauver la vie, non? Dommage que t'aies pas pu attendre que j'ai filmé quelque chose. Oh, Patricia. Cette salope parano. J'aurais dû venir les voir du temps de leur ancien boss. Royce. Non, t'aurais pas voulu ça, crois-moi. On y est. Descends. Ok. Et pour le concert? Dis à Kerry que je vais l'organiser. On se tient au jus. Ça marche, merci. Bon, ça s'est passé nickel. Allez, appelle Kerry. Salut. Alors, c'était comment? T'as parlé à Lens? Ouais, elle est d'accord. Elle va même organiser le concert. C'est toujours une contrôle fric. Génial. T'as réussi à contacter Henry ou Danny? Juste Henry pour l'instant. Ouais, j'ai dû le faire sortir de désintox. C'est une histoire de fou en plus. Dis-toi que pendant tout ce temps, Henry savait même pas que Danny était à Night City. Il va la voir en ce moment même. Il va lui faire une surprise. On doit tous se retrouver chez Danny. Quoi, moi aussi? Pourquoi? Ah, tu vas jouer avec nous, non? Faut que tu rencontres les autres. Je t'envoie l'adresse. Ça? Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a sûrement fait faire des rénaux, et Henry a dû emprunter le camion. Ce Pomar a toujours été bon en impro. Ils sont peut-être à l'intérieur. Essaye l'interphone. Bon, ok. Eh ben, on va continuer de chercher. Kerry est déjà là, apparemment. Mais t'es taré ou quoi? Ah bah putain. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. V. Vraiment ta baraque? Ah, tu tombes bien. On a un problème. Alors ça, tu vas me le payer, espèce de déchet humain. C'est censé être ça, la surprise d'Henry? Je vais te payer. Ouais, j'ai loupé un ou deux épisodes, on dirait. Apparemment, il lui en veut pour quelque chose. Tu m'as laissé crever c'est dans pour la ça rue qu'il a rempli sa piscine de ciment. J'ai fait ça, moi. Henry a toujours eu tendance à s'emporter. Seulement ça avait marché. Bon, et le concert, alors? Je sais même pas pourquoi. J'ai pas encore eu l'occasion de demander à Danny. Sors de chez moi. Mais ça a l'air mal barré. V, va leur parler. Kerry fera qu'empirer les choses. Ah, ça me regarde pas vraiment. Allez, vas-y, ça leur passera dans une minute. Tu t'approches de Kerry non plus, c'est pas vraiment pisser dessus de joie quand tu. Je déconne pas, je vais te défoncer ta putain de tête. C'était renfort, ça? Juste au cas où t'oublierais ce que t'es venu faire ici à la base? C'est Kerry qui m'envoie. Pour le concert. Quel concert? Et pourquoi il vient pas me parler lui-même? On reforme Samurai. Pour une soirée seulement. Quoi? Alors c'est pour ça qu'il veut tous nous réunir? C'est touchant, mais y a pas moyen. Il est pas question que je joue avec cette tâche. Danny! Non. J'ai dit non. C'est lui ou moi. Alors à vous de choisir. Danny fait sa tête de mule. On est foutus. Est-ce que tout va bien? Trop pas, mec! Danny veut pas de moi au concert! Et on s'était déjà arrangé, et tout! Attends, tu veux dire que Kerry te paye? Alors c'est ça? Ah, c'est génial, putain. Dans ce cas, débarrasse-moi de lui et foutez le camp de ma pelouse! M'oblige pas à choisir. La décision te revient, je pense. Putain, ça me rend fou. Danny prend son pied à imposer ses conditions. Et à côté de ça, Henry a les fils qui se touchent. On peut pas lui faire confiance. Merci. Ça m'aide vachement.
Peut-être que si quelqu'un me disait ce qui s'est passé... T'es aveugle? Cet enfoiré a rempli ma piscine de ciment. Il avait peut-être une bonne raison. Lui? Une bonne raison? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça à sa piscine? Tu savais que Kerry voulait convaincre Denis de jouer avec nous. Je voulais juste mettre les choses au clair. Premios, putain. Va falloir se passer d'un des deux loustiques. C'est pas un problème. Pour un concert, on trouvera bien un remplaçant. Mais bon, ce sera pas pareil. Ça sera plus jamais pareil, Kerry. Putain, à choisir, on devrait jouer avec Denis. Putain, Kerry, t'es sérieux, là? Ah, mais c'est elle qui fait chier son monde, là, c'est pas moi! Bon, écoute, je vais te filer... C'est quoi, Kerry? Je t'emmerde. Et heureusement que Silvera n'est pas là pour voir ça. T'as fini? Casse-toi. Bon. Et pour Nancy, alors? On l'a contactée. Elle va tout organiser et elle nous tiendra au courant. On se voit au concert. Fais chier. Faut que je trouve quelqu'un pour nettoyer ça, maintenant. Bon, on peut pas faire plus pour l'instant. À part attendre que Nancy appelle. Est-ce que tout va bien? Non. La vue de cet abruti m'a rappelé à quel point ça n'allait pas du tout. Mais t'inquiète pas, ça me sera passé d'ici le concert. Je me demande ce qu'Henry lui a fait. C'est sa faute à lui, au final? Bah, en temps normal, Denny est pas une connasse hystérique. Je pense qu'elle savait qu'Henry tenait vraiment à ce concert. Elle s'en foutait sûrement pas mal de sa piscine. Salut! Je nous ai organisé le concert aux petits oignons. Ce soir, au Red Dirt. T'as parlé à Kerry? Il a pas changé d'avis? C'est bon? Non, non, pas du tout. En fait, il est même super excité. Je l'ai pas vu comme ça depuis l'époque de Silver End. Et Henry, alors? Il vient toujours pas? J'ai même pas essayé. J'ai pas de temps à perdre avec ce tocard. Bon, bah, on se voit ce soir. Et t'inquiète pas pour ta gratte. Je me suis occupé du matos. V, j'ai quelque chose pour toi. Je sais pas si tu le sais, mais elle était à Silver End il y a longtemps. Merde alors. Nancy sait y faire. On devrait lui murmurer Mikoshi à l'oreille et on serait tout bon. Où est Kerry? Il devrait pas tarder. Il m'a dit que tu jouais super bien. Ça a intérêt à être vrai, parce qu'il y aura pas de répétition générale. Je m'en ferai plus pour le remplaçant d'Henry. Kerry a demandé à Drosin de Cut Road de nous rejoindre. Je le connais, je l'ai déjà vu jouer. Eh, il est bon ou... Ça va, il se débrouille. C'est toi l'inconnu dans cette équation. C'est l'heure des cachets, sois discret. Et si je me remets à cracher du sang? Fais pas une scène, c'est une grosse soirée pour Kerry. J'ai comme l'impression que Nancy pense que je suis pas à la hauteur. Bah, elle a raison. T'es prêt à mettre le feu? Éclate-toi bien. Aussi, j'ai tous leurs albums, j'aurais jamais cru. Relax, Choum. C'est une béquille comme toi. Si tu veux parler à une vraie star, c'est à moi qu'il faut parler. Et arrête de trembler. Je crois que je tremble autant que lui. Peut-être même plus.
Allez, c'est parti. J'avais l'impression d'avoir quelque chose à prouver. À moi, à toi, je sais pas. Mais à l'arrivée, je me suis bien éclaté. C'est clair. Tu veux qu'on remette ça? Hein? Non. C'était pile ce qu'il me fallait. Dans ce cas, tiens, prends-la. Ça te fera un souvenir. T'es sûr? Je jouerai pas sans toi. Ce serait pas la même chose. Je vois ce que t'essaies de faire. Mais moi, je vais continuer à jouer. Tu veux entendre à nouveau Johnny ? Il est parti, hein ? Ouais. Mais il t'entend toujours. Merci. Je suis pas d'humeur à faire tourner les tables et à invoquer les esprits, là, tout de suite. Tiens, tu ferais peut-être mieux de le garder. Il fallait pas, vraiment. C'est le flingue avec lequel j'ai failli tuer Johnny quand il s'est infiltré chez moi. En gros, t'as failli me tuer, quoi. Ouais, et avant ça... Laisse tomber. Cool! Oh, j'ai l'impression de m'être endormi et de me réveiller 50 ans plus tard. Allez, au boulot! Prends soin de toi, V. On reste en contact. Alors, c'était pas si terrible, hein? Dommage que Kerry soit barré. C'est bon, plus de dernière volonté? Non. Maintenant, on fait ce que tu veux. Je dois parler à Hanako. Vite. Ok.
C'est toi qui choisis. Oh putain, je le sens pas. J'aime pas ça du tout. Cette connasse Aka, c'est un gros tas d'emmerdes. Je sais, je serai prudent. Ouais, on peut pas dire que ce soit vraiment ton point fort. Écoute, si ça sent mauvais, on s'arrache. Hanako-sama ga omachi da. Elle a fait vider les lieux? Merde. Excellent. Vous êtes venu. Bon, allons droit au but. Avant d'aborder les détails, je crois que je vous dois des explications. Je dois vous dire ce qui m'a fait changer d'avis et pourquoi je souhaite vous aider. Vous étiez sûr de rien. Si vous pouviez me faire confiance, si Yorinobu avait tué votre père. Et maintenant ? Je savais tout. Depuis le début. Comment ça ? Tous les membres du Conseil étaient au courant. Personne, même ceux qui ne s'intéressaient pas au problème, n'a cru à l'empoisonnement. Ça ne tenait pas. Alors vous saviez, mais vous avez rien fait ? Pourquoi ? Votre conscience vous rattrape seulement maintenant ? Mon père avait ses défauts. Je le sais. Je ne me fais pas d'illusions. Quand quelqu'un devenait trop gênant, il ordonnait son exécution, sans sourciller. Yorinobu ne supportait pas ses méthodes. Mais pour mon père, la fin a toujours justifié les moyens. Il n'y a qu'une chose qui comptait pour Saburo Arasaka. Savez-vous ce que c'est ? Les liens du sang. Oui, sa famille. Je devais être son cœur. La faire vivre, prospérer, assurer sa stabilité, et ne jamais me retourner contre elle. Ah, je suppose que les instructions d'Yorinobu étaient un peu différentes. Yorinobu a levé la main sur notre père, mais c'est un Arasaka. Il fait partie de la famille. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez. Je veux juste que vous sachiez qu'il m'est difficile de prendre la décision de m'opposer à mon frère. Ouais, c'est votre frère. C'est difficile et ça le sera encore, admettons. Mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Nous avons reçu une mise en garde pendant le défilé. Les protocoles de sécurité ont été enfreints. C'est là que les premiers doutes sont apparus. Et ils se sont confirmés dans votre cachette, quand l'unité d'assaut de mon frère est arrivée, non pour me sauver, mais pour me tuer. Yorinobu voyait aucun inconvénient à vous sacrifier. Mon père avait raison à son sujet. Nous ne sommes rien pour lui. On m'a élevé pour que je devienne le cœur de la famille. Il est temps que les Arasaka écoutent leur cœur. Je vais rétablir la justice. Vous avez apporté le tueur d'âme, comme convenu. Le doigt sur la gâchette. Dis pas un mot. Vous pensiez m'avoir si facilement ? Pour info, j'ai l'intention de ressortir d'ici en vie. Si j'avais eu de mauvaises intentions, j'aurais choisi un endroit bien plus discret. Nous sommes ici parce que je sais comment vous sauver la vie. Je peux vous conduire à Mikoshi. Comment ça ? Mikoshi n'existe pas dans l'espace réel. Mais ses points d'accès, si. Et il y en a un tout près. Où ça ? Ici, à Night City. Sous la tour Arasaka. Il faut qu'on parte. Maintenant. Tu veux partir ? Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Arrête de la ramener, je veux savoir ce qu'elle a à dire. Oh là là, ça va être un désastre. Asseyez-vous. Le temps presse. Et vous m'aiderez en échange de...
Mon frère. Tu sens cette odeur? Ça pue la merde. Alors fais gaffe à pas marcher dedans. Il doit être prêt à assumer la responsabilité de ses actes. Dites-le. Ça simplifiera les choses. Je veux qu'il soit puni. Ça reste vague. Vous voulez qu'il meure? Je veux qu'Arasaka Corporation sache la vérité. Vous comptez vous y prendre comment? Yorinobu... Hanako-sama, soro-soro, gojitaku ni omodori itadaite. Sugu ni sumu wa. Yorinobu va bientôt demander une réunion du comité. Des représentants de toutes les factions seront présents. Ce sera le moment parfait pour leur apprendre les circonstances exactes du décès de mon père. Je vous ferai entrer à cette réunion et vous témoignerez contre mon frère. Moi ? Témoigner ? Écoutez, je peux être franc. Aidez-moi à me débarrasser de Yorinobu. Je vous aiderai à vous débarrasser du construct. Ça me plaît pas du tout. En gros, vous voulez vous servir de moi ? Non. Alors ? Je dois rentrer à la propriété d'ici. Vous n'êtes pas la première. Si... Mais si j'étais la dernière, refuser serait un gros risque pour vous. Allez, on se barre d'ici, Fissa. V, vous vous sentez bien ? Hein ? Vous saignez. Oh, merde. On dirait que vous n'avez plus beaucoup de temps. Ne traînez pas trop pour vous décider. Je vais y réfléchir. Un peu d'air, ça va te faire du bien. Dépêche. Je t'avais prévenu. Et qu'est-ce que tu fous? C'est peut-être plus qu'une question d'heure. Et toi, tu tiens même plus sur tes jambes. Alors que moi, je suis d'attaque. Ton corps m'obéit. Tu vois où je veux en venir? Bien sûr que je vois. Tu veux que je te file les clés? Je veux te sauver la peau. Prends de la pseudo-endotrisine. Pousse-toi et laisse-moi le volant. Je nous ferai entrer dans Mikoshi. Je peux savoir comment? Sans l'aide de cette connasse de riche. Ça, c'est sûr. Sans aide, on n'a aucune chance. Oui, je sais. C'est pour ça que j'emmènerai Rogue. Elle n'est pas encore complètement rouillée. Et puis, elle me doit bien ça. Il y a 50 ans, peut-être qu'elle aurait risqué son cul pour toi. Mais aujourd'hui, je crois pas. Je vais la convaincre. Après tout, on s'y connaît un peu pour les opérations de ce genre. On va se frayer un chemin dans la tour Arasaka, comme à l'époque. Et après, on trouvera un moyen d'atteindre Mikoshi. Et Panam, elle m'a proposé de m'aider. Écoute, je sais qu'il y a un truc entre Panam et toi. C'est bon, je comprends. C'est bien pour ça que c'est une mauvaise idée. Va pas l'embarquer là-dedans. Évite de faire la même erreur que moi. Faut mieux pas impliquer ces gens, risquer leur vie, et peut-être avoir leur mort sur la conscience. Notre seul espoir a son cul posé à l'Afterlife en ce moment, et elle s'appelle Rogue. J'ai besoin de temps. Je dois... T'as toujours pas compris? Du temps. C'est ça qui me manque. Je t'arrête, connard. Qu'est-ce que tu crois? C'est mon corps. C'est moi qui décide. Non, pas cette fois. Johnny! Putain, regarde-toi. Tu tiens même pas. Génial, tu vas encore me lâcher. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas ce que tu crois. Pas encore du moins. Doucement, essaye de pas bouger. Vic ? Je sais que tu souffres. Tu délirais à ton arrivée, alors je t'ai injecté une dose de bêta à l'opéridol. Mais ton hypersensibilité à la lumière est encourageante, ça veut dire que tes nerfs optiques sont intacts.
comment je suis arrivé là. Tu t'es traîné jusqu'ici dans un sale état. Misty a eu la trouille de sa vie. J'avais un patient, mais tu l'as poussé de la table. Et t'as dit qu'il fallait que je m'occupe de toi tout de suite. Dis-lui que c'était ton ange gardien. J'étais pas tout à fait moi-même. Je sais. Et c'est un peu inquiétant. Annonce la couleur, Vic, sois honnête. T'es arrivé à une étape critique. Essaie de t'asseoir, doucement. Je vais essayer. Je crois que je récupère des sensations. Doucement. Nouvelle victoire pour les livres d'histoire. Alors, on dirait que je peux m'asseoir. Mais je sens que les nouvelles sont pas bonnes. Combien de temps est-ce que ça va continuer? À toi de me le dire. Vu ta tête, je dirais pas longtemps. À ta prochaine crise, tu pourras pas te traîner jusqu'ici. Tu feras un trait plat dans un caniveau. C'est ta dernière chance de prendre les choses en main. Tu comprends? Je sais, Vic. Je vais essayer. Bientôt. Non. Fais-le maintenant. Bon, tu vois cette table-là? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? T'y trouveras la dernière dose de pseudo-endotrisine. Cadeau de Misty. Tu veux céder aux voix dans ta tête? Vas-y. Tu la prends, tu t'endors, et tu disparais. Ou alors, tu trouves une autre solution. Tu décides de la fin de l'histoire. T'y trouveras aussi un petit cadeau de ma part, des inhibiteurs. Si t'arrives à faire ces quelques pas jusqu'à la table, le reste dépendra plus que de toi. Tu l'as entendu. On a une dernière chance. Alors je prends le volant. L'endotrisine, Rogue, la tour Arasaka. C'est le seul moyen d'y arriver. Ça suffit, Johnny. Je dois y réfléchir. T'as besoin de cogiter? Très bien. Mais pas dans ce sous-sol. Merde, V, tu parles tout haut. Tout haut? Quoi? Il faut que t'arranges ça. Je devrais y arriver. Je te remercierai jamais assez pour tout ce que t'as fait, Vic. J'aurais aimé pouvoir faire plus. Allez, vas-y. Je voudrais fermer. Prends les médocs. Et fais ce que t'as à faire, V. Merci, Vic. J'y compte bien. Prends soin de toi. Bonne chance. Dis, V, j'ai entendu... tes pensées. Ça aurait pas dû arriver. Désolé. T'excuse pas. Je sais ce qui se passe. Et je sais que ce sera pas facile, ni pour toi, ni pour lui. Si tu veux pas te décider ici, je connais un meilleur endroit. D'accord, je te suis. Il y a quoi de spécial, cet endroit? J'y ai emmené Jackie une fois. C'est pas loin. Jackie? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Tu verras. Viens. Il avait le même air rebattu. Qui ça? Jack? Ça y est, Chica. Je suis foutue. Ça ressemble pas au Jackie que j'ai connu. C'était il y a longtemps. Sa mère venait d'apprendre qu'il avait rejoint les Valentinos. Crois-moi, avec Signora Well sur une épaule et les Jumba de son gang sur l'autre, impossible de faire le bon choix.
La vie a pas été rose pour mon Jackie. Mais il a eu le courage de parier sur lui-même. Après que je l'ai amené ici. Ah, enfin, de l'air frais. Tu vois ça ? Je viens ici quand j'ai besoin de m'échapper, d'être seule avec mes pensées. Ah, bah c'est pas con ça. Tu sais, tu devrais t'asseoir et réfléchir un peu toi aussi. Merci, Misty. T'avais raison, c'est l'endroit parfait. Alors, qu'est-ce que Jack a pris comme décision ici ? Ah, tu sais, je vais devenir une légende dans cette ville. Allez, je te laisse à tes pensées. Prends ton temps. Tu m'as foutu une sacrée trouille, tu sais ça. J'ai bien cru que t'allais y passer. Non, je suis toujours là. Pour l'instant. Tu sais, tu devrais peut-être rappeler les gens à qui tu veux dire adieu. Alors tu t'attends au pire. C'est ça ? Non, mais... quoi que tu décides, ce sera très risqué. Alors si ça tourne pas comme on veut, il faut que tu le fasses, putain. S'il y a des gens à qui tu veux parler, c'est le moment. Les cachets attendront. J'appelle Panam. Panam. Je veux juste entendre sa voix. J'espère sincèrement que c'est juste pour ça. Salut. Panam. Salut. T'as une idée de l'or qu'il est ? Je te retiendrai pas longtemps. Je voulais juste entendre ta voix. T'as choisi une drôle d'heure pour ça. Mais ? Bon, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc que je dois faire aujourd'hui. Ça sera risqué, et pas qu'un peu. Mais je dois le faire. Et qu'est-ce que c'est ? Je peux pas te le dire, Viacom. Je peux pas. Alors tais-toi et dis-moi juste où t'es. En ville ? Ouais. Ok. Alors pose ton cul quelque part et attends-moi, j'arrive. Tu comprends pas. Je peux plus attendre. Ça a un rapport avec le truc dont tu m'as parlé l'autre fois ? Ouais. Alors je vais te dire un truc. On peut toujours s'en sortir. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas respirer à fond deux ou trois fois, et tu vas bien réfléchir à tout ça. Et quand ce sera fait, tu pourras me rappeler. Tu sais pourquoi ? Parce que je suis là pour toi. Mais... fin de la discussion. Ouais, bien joué. Elle m'a pas laissé en placer une. C'est mieux comme ça. T'en aurais sûrement trop dit autrement. T'as bien fait d'appeler. J'aurais voulu avoir cette chance aussi. On en a fait du chemin jusqu'ici, hein. Tu te rends compte ? Tout a commencé dans une putain de décharge. Ouais, ensuite t'as essayé de me tuer. C'est bien ce que je dis. J'essaye de te sauver la peau maintenant. Ça, tu peux me laisser faire. Ou bien, tenter ta chance avec Panam, essaieras du bitume. Mais t'auras leur mort sur la conscience. Ou t'acceptes le marché d'Arasaka, mais dans ce cas... c'est ton âme que tu vas perdre. Je vais demander à Panam de m'aider. T'en es absolument sûr ? Il n'y aura pas de retour possible. Je vais tenter le coup avec Panam. Je sens que tu vas regretter cette décision. Et quand tu t'en rendras compte, je serai pas là pour t'aider. Ça pourrait être ma dernière aventure. Si ça marche pas... je veux juste être là, savoir ce qui se passe. On se reverra dans Mikoshi. Johnny ? Ok, y a plus que moi. Ouais. Je suis contente de l'entendre.
Allez, dis-moi tout. Je dois entrer dans la tour à Arasaka, maintenant. Quoi? Je plaisante pas, cette histoire avec Johnny, si je fais pas quelque chose rapidement, je suis foutu, mort. Attends, attends. D'abord, pourquoi la tour à Arasaka? Pour la tech, sous la tour, il y a un point d'accès à... Bon, ça va te paraître dingue. Une prison des âmes. Une prison des âmes? Je savais que ça passerait moyen par Olo. Ça s'appelle Mikoshi. Y'a que là que je pourrais définitivement me séparer de Johnny. C'est mon dernier espoir. Ok, alors juste pour résumer. Tu m'appelles au beau milieu de la nuit pour que je t'aide à infiltrer la tour Arasaka, parce que sinon, tu vas mourir. C'est à peu près ça, ouais. D'accord. Quoi? D'accord? Où est-ce que t'es, là? À la clinique de Vic. Charcudoc? Ok, je vois où c'est. Tu peux attendre un peu avant de claquer? Ouais, je vais essayer. Ok, tu bouges pas, je viens te chercher. C'est toi, V? Ou... Ouais, c'est moi. Ok, et du coup? J'attends mon chauffeur. Entre, on va l'attendre ensemble. Qu'est-ce que tu dois attendre? Tu veux savoir ton avenir? Ok, pourquoi pas. Certaines personnes pensent que l'incertitude est un mal qui doit être combattu grâce à la divination. Pour d'autres, c'est le changement qui est néfaste. Mais ils se trompent aussi. Chaque jour, à chaque minute, on devient quelqu'un d'autre. C'est pas du changement qu'il faut avoir peur, mais de la personne qu'on devient. Le plus important, c'est de savoir où on va. J'ai créé cette disposition spécialement pour toi et Johnny. Ton avenir est le sien. Et inversement. Ok, je suis prêt. On va commencer par toi, V. Le fou. Quelle surprise. On va creuser un peu pour savoir ce qu'il signifie. Le fou symbolise le début d'un voyage. L'annonce de quelque chose de nouveau. C'est l'enfant intérieur, curieux du monde, mais également naïf et intrépide. On dirait toi quand je t'ai rencontré. Le Butler. Une personne talentueuse et charismatique. Un chef. On dirait Johnny. La carte est retournée. Ça peut indiquer une tendance à l'addiction, un esprit instable. Ah, pas de doute, c'est Johnny. Un vrai petit perturbateur. Les dernières cartes concernent votre avenir. Les amants. Enfin, un truc qui me fait pas froid dans le dos. L'équilibre, l'amitié, l'amour. V, tu m'aurais pas caché quelque chose? Hein? Non, pourquoi? Tu fais une tête bizarre. Non, je vais bien. Bon, et pour Johnny? La lune. Ah, ça doit pas être trop mauvais signe, non? Je sais pas, V. La lune est un mystère. Je crois que c'est pour toi. Ouais, je reconnaîtrais cette caisse entre mille. Tu sais que j'étais morte d'inquiétude! Moi qui pensais qu'on pouvait pas te faire peur. Hé. Hey. On est là pour t'aider, d'accord? Allez, viens. Tout le monde t'attend au camp. Fais bien attention à toi, V. Toi aussi, Misty. Et merci. Merci pour tout. Parmi les vivants. Tout va bien?
Je crois. Je suis bien content de l'entendre. Il nous a bien foutu la trouille. Tu t'es évanoui et impossible de te réveiller. Ton état de santé s'arrange vraiment pas, ça. C'est très clair. Madame m'a demandé de garder un œil sur toi. Où elle est? Elle discute avec Saul. C'est évident que t'as besoin d'aide. Ils essaient de trouver le meilleur moyen de s'y prendre. Allez, viens, je t'emmène les voir. Alors V, paraît qu'il y a une guerre qui se prépare. J'ai pas vraiment trop le choix, Mitch. Ouais, et nous non plus, apparemment. Tout le clan est paré au départ pour demain. Ils savent où on va? Ce qu'on va faire? Regarde-les. On a qu'une poignée de vrais combattants. Les autres, ils braquent des petits convois et ils récupèrent de la ferraille. Donc pour l'instant, ils savent que ce qu'ils ont besoin de savoir. C'est pas le moment de te remettre en question. On fait ça pour dévoiler le clan tout droit au cimetière. Putain, mais tu crois que je sais pas? Tu crois que c'est en me cassant les ovaires comme tu le fais à chaque fois que ça va changer quelque chose? V, enfin. V, comment tu te sens? J'avais juste besoin de dormir. Il paraît que vous réfléchissez déjà à un plan. Faut encore qu'on règle quelques détails, mais on sait déjà qui, où et comment. Tiens, regarde. Voilà des stratégies envisagées. Mais une seule nous donne une vraie chance de pénétrer dans la tour Arasaka. On va creuser un tunnel. Donc on entrerait dans la tour Arasaka via un tunnel. Je sais que ça a l'air dingue, mais une telle occasion, ce serait con de la rater. Night Corp construit une nouvelle ligne maglev dans cette zone. Bon, ok, le chantier est gardé par Militech, mais ça devrait être gérable. Une fois dans ce tunnel, on sera à moins d'un kilomètre des fondations de la tour Arasaka. Ils utilisent un PES de Night Corp, il faudra quelques minutes pour creuser sur cette distance. Plutôt pas mal, hein? Une fois à l'intérieur, faudra improviser. Garde, mesures de sécurité, l'accès le plus rapide à Mikoshi. On fera avec ce qu'on a en espérant que ça passe. V, tes commentaires? Le plan, l'OP tout entière. On va pénétrer en territoire ennemi. Vous allez vous mettre à Arasaka à dos, et pas seulement eux. On dirait bien. Vous allez tous vous exposer au danger. Si tu veux te retirer, arrêtez les frais. Je comprendrais. Et je t'en voudrais pas. Tu es venu nous demander de l'aide et on a décidé de répondre à l'appel. Notre choix est fait. Plus besoin d'en discuter. Bon, c'est réglé. Maintenant, au boulot. Je vais parler à nos frères et nos sœurs, envoyer un drone survoler le site. Et moi, je vais voir Mitch. Je crois savoir comment augmenter nos chances contre Militech. Viens nous retrouver plus tard. Je te laisse avec Saul pour l'instant. Mais prenez pas de décision sans moi. T'as besoin d'autre chose? J'ai besoin d'une bonne connexion réseau. Quelqu'un peut nous aider à entrer dans Mikoshi. Je peux savoir qui c'est? Halt. C'est une IA. Elle est de l'autre côté du mur noir. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi une IA nous aiderait à nous introduire dans Mikoshi? Parce que je vais lui demander. Gentiment. Putain, V. Tu sais quoi? Vas-y. On est dans la merde jusqu'au cou. On peut bien s'y enfoncer encore un peu. Troupe Dakota, elle va t'arranger tout ça sans te poser de questions. Merci, Saul. Tu me remercieras quand on ressortira de Mikoshi en un seul morceau. Salut, Dakota. Suivez. On se connaît pas. Chamaï, mon frère. T'as besoin de quelque chose? J'ai besoin de matos performant pour me connecter, honnête. Ok, alors entre. Un bain de glaçons. Je m'en lasse pas. Carole, t'es venue aider Dakota? C'est plutôt toi que je suis venue aider. T'es prêt? Je sais pas combien de temps ça va prendre. Quoi qu'il arrive, panique pas, ok? Même si on croit que t'es sur le point de crever? Allez, on y va. Suis les vecteurs, mon frère. Salut, Halt. Tu es venu seul. Johnny est pas dispo pour l'instant. Pour l'instant.
Il est enfoui plus profondément. Tu le traites comme un passager indésirable, un fantôme rêvant d'un monde qui ne lui appartient pas. J'avais pas le choix. Il n'y a que comme ça que je pouvais venir te voir. Le refoulement. Tu es de plus en plus doué pour ça. Désolé. Je suis pas venu pour qu'on parle de Johnny. J'ai besoin de ton aide, Alt. Il me reste plus beaucoup de temps. Tu penses vraiment que c'est du temps que tu dois te soucier? Tu existes ou tu n'existes pas? Ce sont deux états séparés par la mort. Question de point de vue. Pense ce que tu veux, mais je suis mort et je suis revenu. Et maintenant, c'est quoi la suite? Tu penses avoir trompé la mort. C'est la mort qui t'a trompé. Toi, tu te trouves entre les deux. Ce n'est que dans Mikoshi que tu commenceras à comprendre. À quoi je dois m'attendre là-bas, dans Mikoshi? À une frontière à franchir. Ce sera probablement le seul moment de ta vie où tu ressentiras tout le poids de ton existence. C'est un fardeau auquel tu ne peux pas te préparer. Et Johnny, qu'est-ce qui va lui arriver? Je manque de données pour répondre à cette question. Est-ce qu'on peut être sûr de quelque chose? Oui. Que Mikoshi cessera d'exister. Les constructs prisonniers dedans, tu vas les libérer? Ils ne feront plus qu'un avec moi. Assez perdu de temps à discuter, venons-en au fait. J'ai envoyé un programme sur ton éclat de Netrunner. Une fois dans Mikoshi, certain, il ouvrira une connexion sécurisée. Je dois chercher un point d'accès précis? Je peux déjà te dire qu'ils sont tous protégés par des tonnes de glace. Il suffit parfois d'une simple fissure pour entrer. Sers-toi de l'éclat dans Mikoshi. Je m'occupe de la sécurité. Au revoir. On l'a récupéré. Carole, l'éclat! Relax, mon grand. T'étais à peine connecté que ta température est montée en flèche à plus de 40. La tech a réagi. Comme si elle était infectée. Mais en plus flippant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a grillé la moitié de mon matos? Ton activité neuronale est montée en flèche. Ton lobe frontal était sur le point de te sortir par les oreilles. J'aurais aussi bien pu te coller une balle dans le crâne. T'es sûr que tu vas bien? Super bien. Bien. Tant mieux. L'éclat. Il y a un programme dont j'ai besoin sur un des éclats. Tu rêves, là. On est entouré de glace. Même si un truc avait réussi à passer, mes contrôleurs m'auraient... Putain de... Enlève ça de ma vue. Merci, Dakota. C'est pas la peine. Va voir Saul. Il te cherchait tout à l'heure. Ok, j'y vais. Saul, tu voulais me parler? Vas-y, monte. On va quelque part. Bon, V. L'affaire est simple. Tous les gens présents ici te sont redevables. Et pas qu'un peu. Parle pour toi, Saul. Pourtant, malgré ça, tu restes un étranger. Un mercenaire de Night City, qui est comme un autre monde. Hé, hey, Panam, on sait quelque chose. Il est donc temps d'y remédier. Ouais, c'est une vraie injustice. Faut arranger tu ça. Tu vas devenir un Aldecaldo. Ce qui veut dire que cette famille fera n'importe quoi pour toi. Prêt, petit? Je suis prêt. T'es l'un des nôtres, maintenant, V. T'es un Aldecaldo, bordel! On est ravis de te compter parmi nous, V. Et t'en fais surtout pas. On te fera rentrer dans Mikoshi. Pas vrai, ça? Bienvenue dans la famille. Accueillez chaleureusement notre nouvel Aldecaldo! Bienvenue dans le camp le plus dysfonctionnel! Veste d'enfer. Vous voyez? Elle lui plaît. Écoutez, dès qu'on sera rentré de Mikoshi, on fera la fête. Je connais l'endroit parfait. Et c'est ma tournée, bien sûr. On saura te le rappeler. T'inquiète. C'est qu'une formalité. Dans les faits, t'es membre de cette famille depuis un moment. Tu m'as sauvé la Quen, comme dit Bobby. Et celle de Mitch aussi. Et je parle même pas de Panam. Va chier. Enfin, Saul a raison. Regarde les choses en face, V. Ma vie était en vrai bordel et tu l'as encore plus réduite en miettes. Mais faut parfois en passer par là avant de recoller les morceaux. Bon, écoutez-moi tous. Aujourd'hui, on fait la fête, mais la journée de demain promet d'être assez tendue. V,
Faites ce que vous avez à faire et puis allez vous reposer. Ça mérite bien mieux que ça. Mais c'est toujours ta nuit, alors. Profite un peu de ta nouvelle gloire. T'aurais pu me dire ce qui se préparait. Et gâcher la surprise? Tu plaisantes? Tout va bien? Ouais, c'est rien. T'en fais pas pour ça. Et la veste? Elle est pas trop serrée? Elle me va comme un gant. Comme si je la portais depuis un bail. C'est un peu le cas, non? Tu l'as mérité, cette veste. Et la loyauté des Aldecaldos. Merci, Panam. Si tu veux parler, je suis là-haut. Hé, hey, par ici, V. Assieds-toi. On est en train de faire notre petit rituel. Et c'est quoi, ce rituel? Quelques bières fraîches avant un raid. Je vois. Mais pas n'importe quelle bière. C'est les dernières de notre première mission. On avait gardé quelques caisses, comme porte-bonheur. À l'époque, quelqu'un... Ah merde, c'était qui déjà? Bref, quelqu'un avait dit que le jour où il n'en resterait plus, la chance des Aldecaldos tournerait. Ah, c'est ton truc, ces superstitions à la con. Ouais, tu dis ça, mais t'as les mains qui tremblent quand t'en ouvres une. Je vais en prendre une. Ah ouais, pas mal. Allez, à demain. À notre tour indemne. À Seoul et Panam. Parce que s'ils font pas la paix, ça risque de partir en sucette pour nous tous. Bob, merci pour ton optimisme. V, tu dois savoir où ça en est entre eux, non? J'en ai ras-le-bol de cette histoire entre Panam et Saul. Bienvenue au club. Comment ça va pour vous? Pas grand-chose à dire. Tout a l'air prêt pour demain. On attend encore les infos du drone. On devrait en savoir un peu plus le matin venu. À part ça, on croise les doigts pour pas se faire fumer la gueule demain. Vous me passerez l'expression. Bon, je ferais mieux d'y aller. À demain. T'es nerveux pour demain? Oh non, c'est plus de la nervosité. C'est fini, ça. Hé, hey, t'en veux pas une? Allez, pourquoi pas. Pendant la guerre, juste avant qu'on soit déployés, on nous a entraînés à contrôler notre stress. Tu veux savoir comment? Je veux bien. Cocktail chimique. Des suppléments, des boosters. Et Dieu sait quelle merde. Direct dans les veines. Nos biomuniteurs partaient en vrille pendant une seconde, avant de se stabiliser. Et nous aussi, on se stabilisait. Au bout d'une douzaine de fois, il se passait un truc dans ton cerveau. Les circuits se rebranchent, et la partie qui génère la peur disparaît. Complètement. C'est complètement tordu. À quoi tu t'attendais? La guerre, c'est toujours tordu. Et celle qu'on va faire demain aussi? Pourquoi? T'as des doutes ou... Je me fais pas de soucis. Et tu devrais pas t'en faire non plus. C'est un autre truc qui va m'empêcher de dormir. Qu'est-ce que c'est? Bah... C'est rien. Allez. On est de la même famille maintenant, non? Alors, en fait, je me fais du souci à cause des relations entre Panam et Saul. Ils pensent qu'il suffit de faire bonne figure pour rassurer tout le monde. Personne n'est dupe. Ça murmure déjà dans tout le camp. Que Saul va pas tenir parole. Qu'il s'est engagé par opportunisme. Que la famille a besoin de changement. Et t'en penses quoi? J'en pense, moi. Tu crois que Saul devrait passer le flambeau? Confier les rênes à Panam? On verra ce que ça donne demain. Une fois que le brouillard se sera dissipé. À ton tour. T'en penses quoi, toi? Mitch, on n'attaque pas une bande de Raffen ou un convoi mal garé, là. Si on veut sortir vivant de cette OP, il faut qu'ils bossent ensemble. Ils essaient. Il se peut même qu'à leur façon, ils commencent à être sur la même longueur d'onde. Je veux dire, maintenant, ils savent ce qu'on attend d'eux. Ce que le clan attend d'eux. Est-ce que Saul lui a au moins proposé un siège à la table des négos? Mais qu'est-ce qui peut te faire croire que Panam a envie de s'y asseoir? Je comprends. Panam vit pour le clan,
pas pour le pouvoir. Mais est-ce qu'elle pourrait concilier les deux ? Eh, hey, c'est pas à moi qu'il faut demander. Le truc, c'est que Panam est déterminé à t'aider. Alors que Saul, il voit cette affaire comme une opportunité. De récupérer du matos dans Mikoshi ? Ouais. Si l'OP réussit et qu'on met la main sur de la super tech d'Arasaka, on sera à l'abri du besoin dans le sud. Tu me suis ? Ça apaisera les inquiétudes et Saul gagnera du temps. Saul n'est pas né de la dernière pluie. Il sait ce qu'il fait. Espérons juste qu'il soit pas allé trop loin cette fois. Bon allez, ça suffit les commérages. Tout ça, ça reste entre nous, hein? Bon, je vais aller farfouiller un peu dans les entrailles de ce gros pépère. Ok. Amuse-toi bien, Mitch. Regarde. Tu passes quoi? Organise une brocante? Plus ou moins. Prends ce que tu veux. Et c'est en quel honneur? La fin des temps. Sympa, mais un peu théâtral. Je dirais plutôt pragmatique. Je te donne mon stock pour que tu survives à l'enfer de demain. Et que tu reviennes. Tu penses qu'on y arrivera demain? Je connais ces gens. Certains même mieux que moi-même. Concentration, détermination, calme avant la tempête. Ils se donneront à fond. J'en doute pas. Bonne nuit, Saul. Attends. Il faut que je mette une chose au clair. T'as fait beaucoup pour ce clan. Et pour moi, plus que n'importe qui. Mais la famille passe avant tout. Saul. Laisse-moi terminer. Je sais aussi qu'il n'y a qu'une chose qui pourrait la diviser. Que Panam et moi, on suit des chemins différents. Les Aldecaldos ne survivraient pas à cette séparation si ça se reproduisait. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Je me demande si Panam ressent la même chose. Vous pensez tous qu'on est ennemis, Panam et moi. Qu'il y a un mur entre... C'est pas le cas. C'est tout le contraire, V. Panam tient autant que moi à ce clan. On voit pas toujours les choses de la même façon. Et bizarrement, c'est mieux pour la famille. Je m'en suis rendu compte, et tu verras, toi aussi. Et entre nous, Saul, tout va bien? C'est une journée importante demain. Regardez ce que le bon vent nous amène. Un revolver et des bouteilles vides. C'est tout à fait ton style. Je suis de la vieille école, même pour la tech. Je sais pas pourquoi, mais je me méfie du chrome. Le truc, c'est d'entendre le silence dans ton esprit quand le coup retentit. On m'a dit ça il y a longtemps, je devais avoir à peu près ton âge. Et je m'en souviens encore. Ça va sûrement tirer dans tous les coins demain. Alors j'essaie de me rappeler ce silence. Je peux me joindre à toi? Je sais plus depuis quand j'ai pas pu faire le vide dans ma tête. Si tu veux. 12 bouteilles à briser en 15 secondes, une concentration parfaite, c'est le seul moyen de réussir. Je doute que tu y arrives. C'est ce qu'on va voir. T'es si sûr de toi? Bon, ben je parie mon revolver qu'il n'y arrivera pas. Je commence à compter dès que tu poses le pied sur cette ligne. C'est parti! Stop! Bordel, t'as quoi comme mécanique là-dedans? C'est toi qui devrais me donner des cours! Bien visé, petit! Le truc, c'est d'entendre le silence dans ton esprit quand le coup retentit. J'ai quand même appris un truc. Pense-y quand tu utiliseras ce revolver. Merci, Kias, mais je crois que tu devrais le garder. Il est plus fait pour toi. Hein? T'as peut-être raison. Je te dis merde pour demain. Ou je vais foutre une sacrée merde. C'est ça.
pas ici. Mm-hmm. Tu peux me dire à quoi tu penses? À rien, enfin. Écoute, je sais pas. Je suis tellement tendue que j'ai à peine fermé l'œil la nuit dernière. Ce sera sûrement pareil cette nuit. Qu'est-ce qui te travaille? Oh, comment te dire? Demain, je vais conduire mon clan à une mort presque certaine. Et comme si ça suffisait pas, Saul approuve soudain tout ce que je dis. Et je sais même pas si c'est bien ou mal. Bordel. Les gens doutent de nous. Je le sens. Mais ils continuent de croire que si ça tourne mal, Panam va tout régler. Parce que sinon, qu'il fera? Tu te sens responsable d'eux. C'est tout à fait normal. C'est pas la responsabilité qui m'inquiète. Je regarde juste la situation calmement. Saul a fait tout un tas de mauvais choix pour me ressembler un peu plus. Mais je suis la seule à connaître mes atouts et mes faiblesses. Je fais pas de miracle, V. J'ai vraiment la trouille que ça tourne mal. Que tout le monde... Je serai à tes côtés demain. Quoi qu'il arrive, on sera ensemble. On s'en sortira. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Tu ferais ce que t'as à faire. Tu m'en diras tant. V? Ouais. T'as pas peur de mourir? J'ai plus peur de te perdre, toi. Viens là. Je pourrais rester assis là avec toi toute la nuit. Ça me plairait, je crois. T'imagines pas à quel point j'en avais besoin. Avant de geler sur place. Saul est revenu. Faut y aller. Viens, il aura peut-être du nouveau pour nous. Ça, c'est un spectacle dont je me lasserai jamais. Pas mieux de pas les faire attendre. Réservoir plein, niveau des liquides vérifiés, remonté au max, équipement chargé. On est prêt à partir. Et tout le reste? Si l'OP part en vrille... Apparemment, tout le monde a l'air prêt. Autant que possible. C'est pas un raid habituel. C'est une première pour beaucoup. Mitch a dû les motiver. Ça. La tension. Ça veut dire qu'ils ont compris dans quoi on s'engage. Je viens de rentrer d'une petite reconnaissance. Faut que vous voyez ça. Merci. Le plan est simple. Deux objectifs. Primo, entrer dans la tour Arasaka et aider V à accéder à Mikoshi. Et Deuxio, profiter de la confusion pour embarquer autant de matos que possible. Un butin pareil devrait résoudre nos problèmes de fric. Le seul moyen d'entrer dans Mikoshi, c'est de creuser jusqu'au niveau souterrain de la tour Arasaka. Il va donc falloir attaquer le chantier du tunnel Maglev et pirater un PES de Night Corp. Pour finir, notre drone de reconnaissance a réussi à détecter plusieurs points faibles. Cette vallée mène au chantier. Je doute qu'ils s'attendent à des emmerdes. Il faudra quand même faire en sorte d'agir rapidement. Si on perd du temps, les gardes risquent d'appeler des renforts. Faut éviter ça. Et si on est trop lent? Ce sera à Bob de s'en charger avec son brouilleur. On n'aura qu'à approcher de leur antenne de com et commencer à émettre. Faut pas se faire d'illusions. Ça fera que les ralentir. Espérons que ça les ralentira assez longtemps. Ils ont des drones là-bas? Des systèmes d'alerte précoce? Autre chose? C'est pas Fort Knox, mais bon... Night Corp fait appel à Militech pour la sécurité. Alors on sait jamais. C'est sûr qu'il y aura des patrouilles. Dans tous les cas, on aura nos drones face aux leurs. Teddy ouvrira l'œil pour donner l'alerte.
Il y a une enceinte autour du chantier. Le canon du Panzer pourra nous faire entrer? Et comment qui pourra? Ça devrait rouler jusque-là. Quoi d'autre? Une fois dedans, atteignez le PES pour en prendre le contrôle. Mitch et Carol seront là. En utilisant cette foreuse, ça vous dégagera la voie jusqu'au sous-sol de la tour. Ensuite, V, Panam et moi, on entrera dans le labo pour trouver un accès vers Mikoshi. Et pendant qu'on creuse, personne va se ramener pour gâcher la fête? Si tout se passe comme prévu, personne devrait savoir où on est ou ce qu'on va faire. Bon, je crois qu'on a fait le tour. T'es prêt, V? J'ai jamais été aussi prêt. C'est clair pour tout le monde? Allez, démarrez vos moteurs! Bobby, le brouilleur, tu te souviens? Ouais, on s'en occupe. Soyez prudents. Madame, regardez si tous les systèmes sont opérationnels. Je vérifie. Un secteur de nitro, ok. Lanceur, c'est bon aussi. On peut y aller. Allons nous amuser, alors. La ligne principale est coupée. Les systèmes sont HS. On peut réparer? Là, suite. Merde! Il y a un truc qui a lâché. Tous les circuits sont morts. Je vais essayer de les réparer, mais tu vas devoir nous débarrasser de ces drones, V. Je me charge des drones. Toi, occupe-toi du Panzer. Non, non! Il y a le feu dans le cockpit. Éteins, attention! Ok, tu peux l'éteindre? Sinon, on sort au-dessus de là. Bon, vous êtes où, là, les gars? Je suis près de l'émetteur. Qu'est-ce que vous foutez? Panzer, calme, coup, Panam. T'arrives quand? Une minute. Le feu est maîtrisé. J'enclenche la ligne de secours. Plusieurs systèmes vont passer en analogique, mais ils devraient repartir. Saul, ils savent qu'on arrive. Ils ont déployé des drones, ils nous foncent droit dessus. On a besoin de plus de temps, Bobby. Tu peux les retenir? Est-ce que j'ai le choix? Soyez prudents. Bobby à la rescousse. Les systèmes redémarrent. On peut y aller. C'est bon, Bobby. Le Panther est reparti. Tiens bon. Les renforts arrivent. Il était temps. Je commençais à m'ennuyer. Il reste plus qu'une de ces saloperies. Je fais le pulp. Bobby! Putain de merde, Bobby! Bobby, t'es là? On doit aller. Désolé, Mitch. On peut pas s'arrêter. Pas maintenant. Mais le Panzer, il va plus tenir longtemps. Les systèmes pourraient lâcher d'un moment à l'autre. Tout ce que je voudrais, c'est qu'on arrive en un seul morceau. Après, je pourrais improviser. On va y arriver, Panam. Accroche-toi. On va dégager les corpos de la route pour pouvoir traverser le pont. On peut plus se permettre de faire la moindre erreur. On est déjà pris plein la gueule. On va y arriver.
dans la porte, V. On est dedans. V, il est en train de nous lâcher, j'en étais sûre. La propulsion, les armes, les lanceurs, tout tombe en ruine. Y a moyen que tu nous répares ça? Je vais essayer. C'est ça ou cette boîte de conserve va nous claquer dans les pattes. Toi, sors de là. Va aider les autres. On va te couvrir, mais grouille-toi, ok? Il doit y avoir une salle de contrôle en haut. On va y établir une liaison à distance avec le PES. C'est quoi ce merdier? Préparez-vous! Je vois le terminal. On se connecte. Et pour les protocoles de sécurité? C'est pas une station spatiale, V. Juste une foreuse à la con. T'inquiète. Carole va te pirater ça, les doigts dans le nez. Ok. On démarre le PES, et on va essayer de percer jusqu'à la tour Arasaka. Ça va prendre du temps. Hé, va falloir que tu nous couvres. On a de la compagnie. Et pas qu'un peu. Fé, faut nous aider, là! Ces enculés de Militech nous lâchent pas! Merde. On dirait que le vecteur de forage est prédéfini. Comment on va le faire tourner? On va le convaincre. Mitch, désactive le pilotage automatique et passe en manuel. C'est bon. Ça marche. Paré au décollage. Attention, ils arrivent sur la droite. Vous en êtes où, Mitch? On est à 11%. Vous pouvez pas accélérer? Ça dépend pas de nous, là. Ah, t'as bientôt fini. Je peux être...
mort, je crois. Je crois pas que ça a marché. Oh, cette plastique de Ryan a encore dans le vent. Les systèmes démarrent. C'est reparti. Monte, V. Vite. On décolle. On va les retenir le plus longtemps possible. Merci bien. Nous, on va protéger Mitch et Carole et s'occuper de cette porte. Le blindé Militech. Faut qu'on l'intercepte avant qu'il atteigne les autres. Putain de corpo. On a encore ta compagnie. On va s'en charger. Mitch, on revient vers vous. Bien joué. On a un léger petit problème. Quel genre ? Ce système. Après une démo pareille, vous pourrez aller vous faire engager direct chez les Panzer Boys. Très beau boulot, V. Merci. Maintenant, si ça vous dérange pas, on a une putain de porte à faire sauter. L'ex de Johnny. Tu déconnes. Non, je te jure. Mais personne n'est aussi à l'aise qu'elle dans le net. Elle est notre seule chance d'entrer dans Mikoshi. Johnny, Alt, ça reste dans la famille, à ce que je vois. Tu lui fais confiance? Ouais. Elle va nous aider. Pourquoi? Quelque chose te tracasse? Non. Je te fais confiance à toi. Et par extension, je fais confiance à Alt pour pas nous jouer un sale tour. Ça va bien se passer. Il le faut. On n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Je crois qu'on y est. On est encore loin de la tour Arasaka ? Plus trop. Ça devrait aller tout seul à partir d'ici. Et les autres, Militech leur est tombé dessus. Ils sont coincés. Ils tiendront pas longtemps. Et merde. Je prends le Panzer. Ils vont avoir besoin d'aide. T'as pété les plombs ou quoi? C'est hors de question. Tu peux pas manœuvrer le Panzer tout seul. Tu vas te griller ta putain de cervelle, ok? Alors, t'as une meilleure idée? C'est notre famille, madame. Pas question que je les abandonne. Saul, tu vas le laisser faire? Fais. Il faut lui faire entendre raison. Putain. La situation nous échappe totalement, là. Il faut laisser tomber. On peut pas reculer maintenant. Personne va reculer. Faites ce que vous avez à faire. Je m'occupe de Militech. Putain, Mitch. Ils vont te tuer, merde. Pas aujourd'hui, madame. Je me sens en veine. Carole, je vous rejoins tout de suite.
Tenez bon! Sol! On devrait bien une bière après ça! Ils vont... On peut pas avoir fait tout ça pour rien. Vous deux, montez voir ce qui se passe avec le PES. Quand vous le ferez bouger, je couvrirai vos arrières. Mais... Sois prudent, je t'en prie. T'inquiète, j'ai beau sortir, madame. Moi aussi. Essaie d'atteindre Mikoshi en un seul morceau. Allez, je vous laisse. Terminé. Bon, on arrête les conneries maintenant, ok? Le moteur a surchauffé quand la foreuse a atteint le béton armé. On doit pouvoir contourner le système d'arrêt d'urgence et le couper. C'est le moment de vérité. J'y vais. Allez en mode manuel. Parfait. Tu vas bien? Paname, réponds-moi! Non, 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 Paname! Je suis là. Je vais avoir quelques bleus, c'est tout. J'ai connu pire. Paname, pendant une seconde, j'ai cru que tu... C'est bon, V. Tout va bien. Saul? Le tunnel est dégagé. Des nouvelles de Mitch? Toujours rien. Putain. Je le savais. Il a peut-être un problème de com. Allez, finissons-en. C'est quoi ces trucs ? Amortisseur parasismique. Conçu pour protéger les bâtiments contre les séismes. Donc on est toujours sous le sous-sol. Ouais. Doucement. Il faut qu'on trouve un moyen d'y accéder. À l'endroit où la bombe de la tour Arasaka a creusé un immense cratère. Alors, ça veut dire que la zone est complètement irradiée, non? Qui sait? Génial. D'abord s'occuper des gardes. Fais, occupe-toi des sentinelles. En silence, si possible. J'aime pas ça du tout. Tu crois que c'est grave? Ça m'en a tout l'air. On sera là au moins jusqu'à ce soir. C'est toujours comme ça par ici? Non, presque jamais. C'est pour ça que je le sens mal. Thank you.
agir vite et discrètement. Ils ont toute une escouade. Peut-être la sécurité d'un convoi. Bon, ça va être un peu plus compliqué que prévu. Leurs systèmes ont dû détecter des vibrations sous le bâtiment qu'on a foré. Toutes les unités sont en alerte. Ça veut dire qu'ils ont activé le confinement. On est piégés comme des rats. Il y a des points d'accès? Je dois vite en trouver un. Je cherche. Une seconde. J'en ai trouvé un, pas très loin. Tu pourras y connecter ta liaison perso. Ok. J'espère qu'il y a un port pour aller la dalle aussi. Je t'envoie le trajet le plus court. Mais faut d'abord lever cette saloperie de confinement. Évite de te faire repérer. Personne n'a besoin de savoir qu'on visite les lieux. Code rouge activé. Tous les employés doivent rester où ils se trouvent jusqu'à la fin du confinement. L'éclat est inséré. Oui. Il te faut combien de temps pour... C'est fait. Oh bah merde alors. Ouais, ça a marché. Alors, on peut continuer jusqu'à Mikoshi? La voie est ouverte. Toujours en vie, vous deux? Pour l'instant. C'est bon? Mm-hmm. Alors on y va. Fais gaffe, Vé? Saul? Ouais. Il y a un truc qui cloche. C'est ce silence. Moi aussi, vous avez la chair de poule. Il s'est passé un truc ici. On saura vite quoi. On approche de Mikoshi. Je rappelle ce que c'est, la pitié. Ça y est. Je crois qu'on a réussi. Ouais. T'es plus qu'à quelques pas de distance de Mikoshi. On dirait bien que tu vas enfin l'avoir, ta chance. On est avec toi, V. Jusqu'au bout. Les Aldecaldos tiennent toujours parole. Très loin. Presse la pièce derrière la porte de cloisonnement et on sera au noyau. Tu vas y arriver. Je vais là.
jamais oublié cette sensation. J'ai traversé leur défense. L'accès au moindre est ouvert. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Adam Smasher, je me souviens de toi. T'as juré de tuer Silverhand un jour. Je vais te confier un petit secret. Johnny, il est là, avec nous. Il peut pas parler, mais je le sens sous ma peau. C'est quoi, ces conneries? C'est lui qui a gagné. Silverhand, t'as battu. Ça va manquer, son humeur de chien, les disputes sans fin. Putain, il était plus têtu qu'une mule, mais il aurait suivi sa famille jusqu'en enfer. Et c'est ça qui l'a tué. Devant toi. Je vais te guider à travers le miroir et je prendrai le contrôle quand tu seras passé de l'autre côté. Viens. Appuie-toi sur moi. Je peux y arriver. Allons-nous-en donc, toi et moi. Lorsque le soir est étendu contre le ciel, comme un patient anesthésié sur une table. Allons par telle rue que je sais, mi-déserte, chuchotant de retraite, pour les nuits sans sommeil, dans les hôtels de passe et les bistrots à coquilles d'huîtres, jonchés de sueur. Ces rues qui poursuivent, dirait-on, quelques disputes interminables, avec l'insidieux propos de te mener vers une question bouleversante. Oh, ne demande pas laquelle. Allons plutôt faire notre visite.
C'est un marché. Je vais vivre, putain. J'avoue, t'as mis en place un plan qui te défonce. Tu m'as bien pourri la vie, Johnny. Mais je dois reconnaître une chose. Jour après jour, avec toi à mes côtés, j'ai appris à franchir les obstacles. Plus rien peut m'arrêter maintenant. Je le sens. Ah ouais? Vraiment? Ça veut dire que t'as pris ta décision pour nous? Je peux parler à Alt avant. Elle est où, cette grognasse? T'as pas encore pigé. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Alt nous a déjà séparés. Quand tu t'es connecté à Mikoshi, elle t'a allumé avec le tueur d'âme. On peut dire que ta femme plaisante pas. Je ne suis pas sa copine. Salut, Alt. Alors, il se passe quoi maintenant que la séparation des âmes a été faite? C'est quoi la suite? Je suis en train de vérifier la somme de contrôle et d'éliminer les erreurs de copie de l'engramme au passage. Attends, tu veux dire que je suis devenu un construct? Elle veut dire que t'as pris le même chemin que moi. Prochaine étape, la copie dans le cerveau d'un pauvre pommard. Alors ça y est, c'est vraiment fini. T'as tenu parole. Il y a tout de même un aspect que j'ai oublié de prendre en compte. Halt. Quoi? Le corps en tant que facteur clé dans cette opération. La reconfiguration de l'ADN par la relique est trop avancée. Si on ajoute à ça la médication agressive et invasive, le fait que le système immunitaire du corps attaque ses propres neurones... Allez, putain, accouche, tu veux? Quand j'aurai transféré ton construct dans ton corps, tu mourras. C'est inévitable. Et imminent. Merde. T'es vraiment sûr de ça? Revérifie. Il te restera environ 6 mois à vivre. Peut-être un peu plus. Non, non, non. Il y a forcément une solution. Un truc auquel on n'a pas pensé. Ton corps te percevra comme un intrus. Non, c'est mon corps! Les nanites de la biopuce l'ont modifié de façon permanente. C'est le corps de Johnny maintenant. Halt! Donne-nous une minute. Il faut que je parle à V. J'y crois pas. Après tout ce qu'on a fait. Tout ça. Pour rien. J'en ai plein le cul de ces conneries. De tout. Surtout de toi. Parfait. Parce qu'on s'en tient au plan. Du coup, je vais je sais pas où avec Halt. Et toi, tu gardes ton corps. Et où est-ce qu'elle va t'emmener? Derrière le mur noir, pour faire partie d'elle. Même si je sais pas ce que ça veut dire. Il y a vraiment pas d'autre solution. Comme je l'ai dit, Johnny peut garder ton corps, rester ici, pendant que tu viens avec moi. Je pensais plutôt à une fin plus heureuse. Tout le monde. Ici, pour des gens comme nous, tu t'es trompé de ville et de personne. Tu as gagné le droit de décider à force de volonté et de persévérance. Ce pont mène aux profondeurs du cyberespace. En le franchissant, tu couperas définitivement tout lien avec ton corps. Le chemin vers ton corps passe par ce puits mortel. Ouais. On s'en tient au plan. Je suis désolé, Johnny. Partie en fumée. Et le montant estimé des dégâts dépasse le PIB de plus d'un petit pays. Et paf! Bien fait, Arasaka. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être au pied du mur, hein?
Ne vous en faites pas, brave Jean. Nos belles vies à Night City ne sont pas prêtes de changer. Changeront-elles un jour, d'ailleurs? Nous vivons dans la poussière et le chrome, et nous y mourrons tous. Bon, j'ai une bonne et... Ce barrage, je m'en souviens bien, au début. Je savais pas quoi penser de toi à l'époque. Et maintenant tu sais? T'arriveras pas à m'arracher une confession larmoyante. Elle aurait rien de larmoyant. Je te connais. Ce que je pense de toi maintenant a pas d'importance. Demain, on sera ailleurs. On recommencera tout à zéro, toi et moi. Repose-moi la question à ce moment-là. J'ai hâte. L'Arizona n'a qu'à bien se tenir. On arrive. Regarde la ville. Quelque part là-bas. Ces enfoirés d'Arasaka se demandent comment ils ont fait pour tout perdre. Ils finiront par comprendre un jour. Mais on sera partis depuis longtemps. J'aurais dû faire ça il y a longtemps. Là, j'ai pris du recul. Sur la ville, sur ma vie là-bas. La cité des rêves. L'abruti qui a trouvé ce surnom méritera un bon coup de pied dans les couilles. Panam, après Mikoshi, tout ça... Je suis content qu'on soit arrivé jusqu'ici, ensemble. Et qu'on parte... ensemble. Fais tes adieux à cette ville. On la reverra jamais. Je pensais que c'était ma ville avant. On était liés. Elle était à moi, et j'étais à elle. Mais y a plus rien qui me retient là-bas. Pareil pour moi. Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? On pensait tous les deux que cette ville nous aiderait à découvrir qui on était vraiment. Ouais! Mais c'est comme un putain de croupier dans un casino de Kabuki. J'ai tout misé, et j'ai tout perdu. Presque tout. Ouais, t'as raison. Strohara nous aura au moins apporté une chose. Mais c'est bon, on se casse. Enfin. On va miser sur une vie meilleure dans un endroit loin d'ici. Merde, V. Tu saignes encore. C'est juste un peu de sang, Panam. C'est rien. V. Promets-moi que dès qu'on arrivera dans le sud, on ira voir mes contacts. On réglera ton... enfin, ton problème, quel qu'il soit. Tu vas pas me perdre, Panam. Promis. Je vais plus te lâcher. Tu sais ce que Saul m'a dit un jour? Il a dit que le seul moment où une personne est vraiment libre, c'est quand elle est sur le point de mourir. Parce qu'à ce moment-là, elle sait qu'elle a plus rien à perdre. Bien d'accord. C'est notre plan pour les prochains mois. On n'a plus rien à perdre. Alors on va vivre. En parlant de ça, il en est où le plan? Tout est paré de chez paré. On rejoint le clan, on rassemble l'équipement, et on décolle. Ouais, la route sera sûrement difficile. Mais si on merde pas, on aura passé la frontière en quelques heures. Allez, on se tire d'ici. Ok. Mais, V... hésite pas à contempler une dernière fois la ville. Enfin, si t'en as besoin. Je t'attends dans la voiture. Allez, Night City. À la revoyure. Soit à prévoir à la direction de la méga-corpo. Accompagné bien sûr des litres de sang, sueur et larmes habituelles. J'ai assez écouté ces conneries.
parce que tout le clan a déjà traversé. Ils nous attendent de l'autre côté. Et nos souvenirs de Mikoshi? Si on faisait ne serait-ce qu'approcher des grilles avec cette tech, ils nous abattraient sans sommation. On l'a vérifié. Arasaka a des hommes dans tous les postes frontières. Mais on connaît une route moins fréquentée. Arasaka. Encore. J'ai dit un truc qu'il fallait pas? Non, ça m'a fait penser à Jackie, c'est tout. Et au casse d'Arasaka. J'ai pas besoin de te rappeler comment ça a fini. Je suis désolé, V. Arrête. T'y étais pour rien. De toute façon, cette fois, ça va être différent. Je le sens. Y a juste un truc qui va me manquer à Night City. C'est quoi? La bouffe. Le thaï sur la 7ème à Haywood. Les pirogues sur les quais. Sérieusement? Quand t'auras passé un peu de temps sur la route avec nous, tu comprendras. Ouais? J'ai trop hâte. Bon, je te préviens, notre nouvelle vie va être un bordel total. Ça fait aucun doute. C'est pas grave. Ça va être une belle vie, je le sens. Et bientôt, tu le verras aussi. Bah alors, madame. Tu fuis Night City, là, ou tu vas prendre le goûter chez mémé? Mais les gars, si tu veux pas que cette tempête te rattrape... Va te faire mettre. Mitch, salut! Salut, V. Ça fait plaisir de t'entendre, Tioum. Ça va? Donne-moi un mois et je pèterai la forme. Je t'avais bien dit que j'allais m'en tirer, non? T'arrêtes, Mitch. Tu faisais moins le malin après Mikoshi. On s'inquiétait tous. Il est resté alité pendant des semaines. Un vrai légume. Il y serait passé sans ses super synapses impossibles à griller depuis ses séjours en Panzer pendant la guerre. Mais tu nous as sauvé le cul à tous. Dommage que Saul soit pas là. Et Teddy. Et Bobby. Et Scorpion. Ils t'auraient botté le cul après ce coup avec le Panzer. Et après, ils t'auraient serré si fort dans leurs bras que t'en aurais gerbé. Je sais, madame. Je sais. Grâce à toi, on peut tous prendre un nouveau départ. Essayons de pas le foirer. Je suis content que tu viennes avec nous, V. On se voit bientôt. J'arrive à sentir l'ozone. Même à travers la clim. C'est la tempête. Elle se rapproche. Salut, Mitch. Salut. Tirons-nous d'ici, ok? Salut, comment ça se passe? Tout est prêt? Ouais, on a presque tout réglé. Alors vous l'avez trouvé? Il était bien là où on pensait? Donc, tout est en place. On est paré? Ouais, c'est bon. Rejoins-nous quand tu seras prêt. On passera tout en revue. Rejoins-nous quand tu seras prêt. On t'expliquera les détails. Mais je vais être tout à fait honnête avec toi. Ok. T'as vraiment une sale tête. C'est ça, tout le bien que te font les grands espaces? Ah, décidément, tu peux pas t'empêcher de faire des compliments. On dirait que les grands espaces et l'air pur t'ont fait le plus grand bien à toi, papy. Tu tiens la forme. Ça vient pas de l'air, mais de mes convictions. Grâce à elles, je m'endors comme un bébé tous les soirs, et je me réveille avec la conscience tranquille. Je sens que tu vas me faire un exposé. Nous, les nomades, on choisit qui fait partie de notre famille. Ce choix crée le plus fort de tous les liens, aussi solide qu'un vieux chêne, mais aussi la plus lourde des responsabilités. Peu importe ce qui arrive, aujourd'hui ou demain, au sein de cette famille, personne te tournera le dos. Tu comprends ça? Ouais. Je crois que je l'ai toujours su. Bon, tu ferais bien de te préparer. On a une frontière à passer. Et une tempête à fuir. La journée va être longue. Bon. Redites-moi le plan, une dernière fois. On passera pas par les postes frontières officiels. Et j'imagine que tu le sais déjà. Du coup, on prévoit d'emprunter un ancien tunnel de contrebande. Près du mur.
Une porte dérobée dans le mur. Malin. Pas dans, mais sous le mur. C'est un des anciens tunnels de contrebande. Coup de bol, il est encore praticable. Ça a été galère de le retrouver après toutes ces années. Mais là, plus rien peut nous arrêter. Ok, on a le tunnel, mais faut déjà l'atteindre. Et tu fais quoi de la sécurité le long de la frontière? Toute la zone grouille de tech. Les drones patrouillent sans arrêt. Il y a sûrement des véhicules plus lourds aussi. T'inquiète pas. On sait ce qu'ils ont, et on sait comment gérer. Et Carole et Cassidy s'arrangeront pour éloigner les corpos. Super. Et une fois de l'autre côté, c'est quoi le plan? On va au point de rendez-vous pour y rejoindre le reste du clan. Ensuite, on ira vers Tucson. Et là-bas, c'est notre terrain de jeu, c'est ça? On connaît les routes comme notre poche. Et en plus, en Arizona, il y a des gens qui nous doivent des services. Alors même si je voulais, j'aurais aucune raison de m'inquiéter. À partir d'aujourd'hui, t'as plus à tout prendre sur tes épaules. T'es plus tout seul, V. Ça va te changer. C'est moi qui ai une dette envers vous, maintenant. Oh, arrête tes conneries. On est tous dans le même bateau. Et en plus, grâce à toi, on a tiré assez de tech à Arasaka pour construire un putain de porte-avions. Crois-moi, sur la liste des gens recherchés morts ou vifs, on est juste après toi. Allez, on se bouge, avant que cette tempête nous rattrape. Branche-toi, et on se tire d'ici. Ça marche. C'est un nouveau départ. Alors tu dois l'entamer en prenant le volant. Comme un vrai nomade. En gros, tu fonces tout droit, t'évites les gros trous et tu perds pas les autres, ok? Je vais m'occuper de la nitro. Le jus va partir direct dans les cylindres. Si je la synchronise pas manuellement comme il faut, ça risque de tout faire péter. Ouais, on va éviter. Merde, je viens de me rappeler d'un truc. Quoi? Le mur frontalier. Il était pas là quand j'étais petite. J'aurais jamais imaginé qu'il le construirait. J'avais le sentiment que tout était différent au nord. Qu'un avenir radieux m'attendait là-bas. Je crois que je connais la suite. Une fois de l'autre côté, quand t'as vu que rien n'avait changé, tu t'es dit que Night City était la réponse et que tout changerait là-bas. Mais tu connais aussi la fin de l'histoire. Je reviens exactement à mon point de départ. Putain. Non. C'est peut-être toujours le même endroit de l'autre côté, le même espace. Mais toi, t'as changé. T'es plus la même. C'est vrai, t'as pas tort. Et puis je tais-toi. Et tous les autres connards. Depuis toujours. Alors vas-y, fonce, tout droit, t'arrête pas. Ils ont déployé les drones. Carole, Cassidy, allez-y. Je vais vers l'ouest et j'active les brouilleurs. Ils m'ont marqué. Je bifurque vers l'est pour les éloigner de vous. Bonne chance, les enfants. On se met de l'autre côté. Trop est prête. Dis adieu à Night City. C'est ta dernière chance. J'ai plus rien à lui dire. Démarre. Je te laisse les commandes. C'est parti. Ralentis pas, Panam. Pas tout de suite.
Nova. C'est vraiment parfait, bonhomme. On rentre chez nous. Salut, V. Alors, comment ça se passe dans le désert? Tu fais le plein de soleil et d'air pur? N'oublie pas de faire un contrôle de temps en temps. Si t'as des saletés qui s'incrustent sous ton isolation, t'es foutu. Évidemment, là où t'es, les bons charcutocs sont plus durs à trouver que les hôtels 4 étoiles. Du coup, pourquoi tu passerais pas me voir la prochaine fois que tu seras en ville? Un vieux client comme toi aura bien droit à sa petite ristourne. À une prochaine, V. V, c'est vrai ce qu'on dit? Tu es parti vadrouiller dans le désert avec les Altecaldos? Tu as perdu la tête, Nino? Tu n'as pas eu assez de problèmes comme ça. Tu t'ennuyais trop à Night City. Estás loco! Fais attention à toi, d'accord? Fais rien de stupide. J'ai pas l'intention d'aller à un deuxième enterrement. Bref. Si jamais tu veux revoir de vieux amis, n'hésite pas à t'arrêter chez Mama Wells, d'accord? Appelle-moi juste avant de passer et je ferai mes célèbres chilaquiles rien que pour toi. Cuídate, V. Salut, V. Je me demandais comment t'allais. Ça fait un bail qu'on s'est pas parlé. Tu mènes toujours la grande vie à Night City? Perso, j'ai qu'une idée en tête. C'est de tout plaquer et me barrer. Et pourtant, je suis toujours là. Cette ville, c'est comme des sables mouvants. Plus t'essaies d'en sortir, plus tu t'y enfonces. Et une fois dedans jusqu'aux genoux, t'en sors plus jamais. Comme Evelyne. Enfin, fais attention à toi, ok? Et appelle-moi à l'occasion. Salut. V, c'est moi. Écoute, je pense pas pouvoir rentrer au camp ce soir. Une tempête de sable se dirige droit sur nous. On va devoir rester là en attendant qu'elle passe. Pas le choix. Je voulais te dire que... Je sais bien que c'est pas la première fois qu'on avait un truc de prévu, mais... Je pensais pas que ce serait aussi dur d'être chef. Ça m'avait toujours paru facile vu de l'extérieur. Tu sais, J'ai vraiment de la chance de t'avoir, V. Tu peux pas imaginer ce que ça représente pour moi, tout ce que... Faut que j'y aille, on dirait. Je me rattraperai, promis. Salut, V. Putain, ce casse qu'on a fait. Tu es encore sur le cul. Une bande de nomades, seuls contre Arasaka. Sérieux, on n'avait pratiquement aucune chance. J'étais pas sûr qu'on s'en sorte vivant. Mais bon, on a réussi. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est toi qui as amené la charge, V. Le mec le plus génial et le plus badass de Pacifica aux Appalaches. Je sais pas ce que tu fais en ce moment, ou ce que t'as de prévu. Mais sache qu'on te suivrait jusqu'en enfer si tu nous le demandais, petit. À une prochaine. Prends soin de toi. Ouais, c'est Rogue. J'appelle pour... Ah, messagerie. Bon, ok. V, je me demandais si tu pouvais transmettre un message à Johnny. Deux messages, en fait. Le premier pour lui dire que c'est un connard arrogant et égoïste. Et le deuxième, pour lui dire que ça m'a fait plaisir de lui reparler. Soyez prudents tous les deux, ok? Salut, V. Écoute, je pensais à toi, alors j'ai tiré les cartes rapidement. Je sais, ça marchera pas aussi bien vu que t'es pas là, mais... Comme ça fait super longtemps qu'on s'est pas vus, j'ai pensé à toi. Voilà. Tu sais ce que j'ai tiré? Le chariot, les amants et le soleil. Alors on dirait qu'une belle vie t'attend dans les Badlands. Bonne chance, V. Vis ta vie.